Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Question. Comment ça se déglingue? Enfin, comment ça se... vous avez les pinces. Comment ça se déglingue? Ça se pourra... ça. Et sinon, fourrer en deux et manger tout ce qu'il y a au milieu de la pièce. Oh. D'accord, ok, merci. Je dis pas, Homer, c'est des dinosaures. Homer, c'est des putains de dinosaures. Des triceratops, des triceratops. Ils sont en voie de disparition. Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo quand même assez particulière parce qu'aujourd'hui, on va faire le Sahaftor comme où Abdel? Dans un restaurant spécial fruits de mer. Dans un restaurant spécial fruits de mer, un truc vraiment super super joli. Et pour une fois, toi tu vas pas manger chez mémé, chez ta grand-mère. Ouais, on va pas manger la baraque, on va pas manger des trucs super gras. Le braywet, le msemmen, le ham, quelque chose qui va t'engloutir le ventre. Ouais. Aujourd'hui on va manger fruits de mer, le hout. Un truc vraiment super léger, gastronomie, on vous en dit pas plus. On se retrouve dans quelques instants et on va vous faire partager tout ça à de ce terrain. Hey, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc on a fait notre commande. Abdel, t'as pris quoi toi? Moi j'ai pris des toasts au saumon. Toasts au saumon, ouais. Fumé, ouais. Et entre guillemets au plat chaud, même si c'est pas forcément plat chaud. On a pris donc une énorme assiette de fruits de mer. Qui s'appelle le marailleur. Ça coûte à peu près, je sais pas combien ça coûte. 95 euros. Un truc de ouf. Et on va faire 50-50 bien sûr. La YouTube Bonnie, on va la séparer en deux. C'est vrai, excuse-moi. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors il y a des crevettes, il y a du homard, il y a des moules, oh, y a du des bigorneaux. Il y a un gros homard. Un gros homard, putain. Il va dimension là. Et puis quoi? Bigorneaux et homard? Homard, des crevettes grises, des moules. C'est bien. Merci. Alors, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Voilà. Donc on va déguster ça. On va déguster ça ensemble. Et puis on se retrouve dans quelques instants. A de suite, Ray. Abdel, t'as pris quoi? Moi j'ai pris du Pepsi fraise, lié à pareil. Pepsi et fraise. Toi, bah t'as pris Pepsi. Ah! Moi j'ai pris Pepsi citron. Un bon Pepsi citron. Eh, franchement les frères et sœurs, je vous recommande de goûter un de ces quatre. Ça te tuera pas. Franchement, goûter un de ces quatre Pepsi ou même Coca fraise. Ah, bien frais. Ah, ça fait du bien. Avec des bonnes petites bulles là. Oh là 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 là. Pour ouvrir le store en plus. Ouais, c'est cool. Ah, franchement, on est yam là. Voilà. En plus, les terrasses, comment je les kiffe, c'est mon coin préféré, les terrasses. T'as vu, c'est... Surtout les terrasses parisiennes. En plus, quand il fait frais. Waouh, ça m'a l'air quand même super beau. Du saumon avec des toasts, une petite salade. Avec une petite rondelle de citron. Alors, moi. T'as pris pareil. C'est hein. Pareil. Elia l'a pris. Une salade. Une grosse salade quand même. Grosse salade. Avec des petites ravioles, ouais. Au fromage. Trop bon. Voilà. On va passer à la dégustation. Ça a l'air super bon. On va goûter. Bon, les frères, donc c'est parti. Des petites dégustations. Donc des toasts. Avec Abdel qui cherche. Alors je sais pas, moi je vais goûter, hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais. Bon, à la base, c'est vrai qu'il faut mettre un peu de beurre. Chose qu'on va faire tout de suite. Désolé s'il y a un peu de vent. Tu peux leur demander une vinaigrette. S'il vous plaît. Tu m'appelles s'il vous plaît. Hop. Hop. Et on va goûter le saut. Je vous en dirai des nouvelles. La My Big Saumon. Tu as fait peur, le bâtard. Allez, c'est parti. C'est ça. Hop. On goûte, c'est parti. Ça, c'est juste l'entrée. On goûte l'entrée. Ça se met là. Ça se met là. Le saumon est trop bon. Ouais. Il est tendre, il est trop bon. Il est fondant. Tu le mets dans ta bouche, il fond. On dirait du chocolat ça, mais. Tu m'en diras des nouvelles, c'est quand même bien. Ouais. Ah, bon, la vie, moi, le saumon, tu sais, je suis un grand fan du saumon. T'aimes bien le saumon aussi? Ah, j'ai tout ça, moi. Après, il y a le saumon et le saumon. T'as des saumons, laisse tomber, frère. Moi, j'ai des saumons à 20-30 euros. Hein. Ouais. Ah, bah ouais.
va. Ouais, c'est pas l'enflamme, c'est ouais, t'as même pas besoin d'un plateau. Surtout le saumon. T'as vu comme il est fondant? Ouais, vraiment fondant. Encore une fois, mais comment il est tard, mon gros. On va se retrouver pour la troisième partie, une sorte de seul gros plateau de fruits de mer. On vous aura des nouvelles. Donc voilà, à deux, c'est Rey. Bon, les Rey, on se retrouve pour l'autre partie. Donc plein de fruits de mer. On va se régaler avec plein de sauces différentes. Une sauce, je pense, échalote. Et ça, je sais pas ce que c'est comme sauce, mais enfin bref, on verra. Des moules, des bigorneaux, des crevettes, du homard, plein d'autres trucs. Vas-y, Abdel, t'es prêt? Il faut un peu de citron, mec. Gaming stress, vas-y. Ah, vas-y, moi je vais essayer. Moi, je suis parti à tout de suite. Ça a beaucoup le goût de la bière, je peux le dire. Bon, ouais, c'est parti, merci Abdel. Bon, d'abord, je vais me verser mon coca. On sait jamais, mon gars, si je redégueule tout. Pepsi. Ah, oui, merde. Rapproche ça près de toi, frère. Ouais. Merci Abdel. Moi t'aimes pas la... C'est les huîtres, j'aime bien. Bah c'est parti. Enfin, tiens, je vais prendre le citron aussi. Hop. Oh mon dieu. C'est un truc de ouf. Ah, c'est bon, t'as là. Ouais. Hop. Alors. Ouais, tu dois te frotter un peu pour que ce... Ouais, mais attends, il faut que je trouve... Allez, là. Je vais prendre ça. Ouais, tu prends ça. Oh mon dieu. Allez, c'est parti. Là, 1, 2, 3, let's go. Il a mangé le cookie à la coquille avec. C'est super bon. C'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de ouf. Ah, les huîtres. Des huîtres pendant le Ramadan. C'est un truc de ouf. C'est bon, Ben. Voilà, c'est très bon. Je kiffe ma race. Hop. On écarte bien. Ça te déflague les huîtres. Bon, là, c'est un truc de ouf. Elles sont bien fraîches, hein. Franchement, je kiffe. Limite, elles bougent encore. T'es sûr que t'en veux pas, Lia? Ah non. C'est très bon, Lia. Ah, vache. Super bon. Là, je vais vous faire montrer un peu l'intérieur, comment c'est. Regardez, des bonnes huîtres. Ça coûte. Avec de l'eau de mer. Merde, femme. Léon, ça c'est. Non, c'est pas faux. Non, attends. Plus tard, Léon. On en reparlera en live. Quoi, tu veux le rallo des DOS? Voilà. Allez, hop. Trop bon. Là. C'est pas trop exquis. C'est un truc de mal. D'ailleurs, pendant que je mange ces huîtres, elle est où la chaîne de Lyon? Dans mon huc. On se retrouve dans quelques instants. Là, on voit ton œil sur le côté, les gars. Allez, c'est parti, les Rey. On va déguster. Bismillah. C'est dégustation 78 où tu es. Ouais, voilà. Je profiterai de 78. Bismillah. La pure bombe. Ce côté chaud là, le chocolat chaud. Avec la boule de glace, super bon. Je kiffe ma race.
Et on va vous sortir cette vidéo, les frères et sœurs, t'es des bons, hein. Mais moi, je vais la regarder, hein. T'es des bons, hein. Ouais, allez, je vais sur cette femme, il y a le barn comme ça, Floscom. Et puis voilà, on a fait un petit ramadan, quoi. On a fait un petit store. Voilà, tu vas ici bien. Dehors un peu, histoire de profiter un peu, prendre l'air, sortir un peu de la maison, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se dit à très bientôt. Abdel, check. Super bon, pote. Et puis Léon. Léon. On t'a à l'œil. Hé, hey, regarde. Tu vas t'asseoir sur ses genoux. Tu vas t'asseoir sur mes genoux, je te ferai ça. Je te caresserai le dos. D'accord ? Voilà. Vas-y, ciao, bye, c'est merde.